Il faut couper. Il faut couper dans la censure, il faut couper dans les vidéos anarchistes, pamphlétaires, poétiques. Il faut mettre un frein. Est-ce que c'est assez freiné? Freiner tous les abus de mots et de langage, tout ce qui est graveleux, le 13 juin 2009. Si on retire tout ça, il ne reste plus rien. Allons voir les vidéos. Allô? Vous n'êtes pas très beau aujourd'hui? Mais je vous aime quand même. J'ai pas le choix, j'ai pas d'autre public. Allez, présente les vidéos, là. Présente les vidéos, là. Présente les vidéos. Coupez! Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec Rénal Gagné jusqu'à 18h à l'errance rénadienne. 2h et voici le pitre qui change les chapitres, un méchant pitre. La semaine dernière, pour ma première émission estivale, j'ai effacé mes vidéos. Vous n'avez pas pu rien voir. C'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être mieux comme ça, rire quand on a envie de pleurer. J'avais juste le goût de pleurer. Prendre un train quand un bateau s'en va, ouais. Pour ne pas rester seul sur le quai, c'est beaucoup mieux comme ça. Oui, mais c'était tellement la meilleure émission, à mon avis. C'était tellement. J'en pleure encore aujourd'hui, après une semaine. Ça a été encore une thérapie de 250$. 250$ de thérapie pour me dire « Rénal, t'es trop étourdi! » Ben oui. Trop étourdi. J'étais pressé la semaine dernière, samedi. Au lieu de prendre mon temps, de regarder mon disque dur de ma caméra numérique, oh non, non, là, il fallait que j'efface tout, puis tout était trop énorme, puis là, il fallait que je fasse de l'espace dans mon autre ordinateur. En tout cas, c'était épouvantable! Je mettais ça gros comme le monde! C'est des problèmes en Éthiopie, c'était rien, comparativement à mon ordinateur, c'était rien! Pourtant, l'Éthiopie, c'est bien plus important. Voyons donc, c'est quoi une petite caméra et une petite émission de radio comparativement à une société qui est en train de mourir? C'est quoi? C'est tout, c'est tout. C'est, il faut relativiser. Puis, il y a des gens qui m'ont dit, bah, écoute, en 3 ans, c'est quand même pas si mal. Là. Toi qui tu viens déjà même plus de faire des émissions le samedi de 16h à 18h. Ben, ouais. Alors, on n'a pas encore fait de jouer générique, là. Merci. C'est pour ça que vous allez réentendre sans doute l'histoire de mon passeport. Ma photo de passeport. Et la suite, lorsque je suis allé rendre mes formulaires à la dame du guichet, qui avait l'air tellement heureuse. Savez-vous que ces gens-là, là, puis je vais y revenir plus tard, c'est des fonctionnaires. Fédéral, Canada. Et je t'ai gêné de rentrer là-dedans. Je voulais pas, mais ma peau brûlait. Une entreprise fédérale! Ah! Canada! Pourquoi c'est pas québécois? Pourquoi sur le passeport, c'est pas écrit passeport québécois? Je suis pas un Canadien, moi. Je me reconnais pas là-dedans, moi. Je parle pas anglais, moi. Je parle français, moi. Pas le francophone, je compris par tous les francophones. Pourquoi, si j'étais anglophone, j'irais emmerder les États-Unis d'Amérique? Comme je suis un Québécois, je m'en vais emmerder les Belges, les Suisses, les Français lorsque je m'en vais en voyage. Je veux être compris dans ma langue! Quoique, après 3 heures du matin, tout se confond. Il n'y a plus une langue audible. Je suis comme un ministre anglais qui essaie de parler français. C'est con, Léna, comment ça va? Excusez-moi.